Customs Interconnectivity Platform was established in February 2019 to facilitate fast and smooth movement of cargo on the Abidjan-Ouagadougou corridor, of which the Ouangaloundougou-Niankologo border between Côte d'Ivoire and Burkina Faso is a major transit point. Le système d'interconnexion alors met en liaison les deux systèmes informatiques douaniers de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Mais la période même réelle a commencé autour du 15 février, réellement. C'est là que nous avons reçu le premier camion du système d'interconnexion entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Ainsi, lorsque les chargements de marchandises quittent un des pays pour l'autre, l'administration sœur est informée à l'avance de l'arrivée de la dite cargaison. Bon, au départ, il y avait 9 qui avaient été donc choisis. Bon, il y avait Bolloré, d'une part, il y avait donc ITC, il y avait également Socosib, il y avait d'autres sociétés qui étaient. Et puis après ça, ça s'est ouvert à partir du 29 avril à tout le monde, à toutes les sociétés et à toutes les frontières. Even though the Customs Interconnectivity Project is still in its teething stage, stakeholders at the Ouangaloundougou-Niankologo border recount the impact of the project on economic operators. D'abord, il faut dire que ça vous facilite donc, ça vous sécurise donc le commerce international entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Ça vous sécurise donc les marchandises. Donc ça fait un énorme avantage en termes de gain de temps, également dans une moindre mesure en termes économiques, puisque lorsqu'il n'y a pas d'autres déclarations à établir, l'importateur, bien entendu, économise les frais qu'il aurait dû dépenser ici pour l'établissement d'une nouvelle déclaration. Bon, avant c'était un peu très dur, parce que quand tu venais, on prenait beaucoup de temps. On prenait beaucoup de temps sur le transit des camions pour traverser. Et aujourd'hui, ça s'est un peu amélioré. Bon, le changement, c'est l'interconnexion. Bon, l'avantage de l'interconnexion, c'est que déjà ça facilite le contrôle de la sortie des marchandises déclarées ici en Côte d'Ivoire pour les autres pays en interland. Si avec l'interconnexion, le produit peut échapper à différents contrôles inutiles, je pense que ce sera la bienvenue. Nous souhaiterons qu'avec l'interconnexion, le dédouanement se fasse de façon groupée et que le produit arrive sur le marché en de très bonne qualité. According to some economic operators at the Ouangaloundougou-Niankologo border, there are some pending challenges that must be addressed to make this project a greater success. Il y a quelques petits soucis du point de vue réglementaire d'abord, parce que comme on est en phase expérimentale, il est clair que toute la réglementation n'est pas encore mise en place. Il y a également quelques problèmes qui sont plutôt des problèmes qu'on pourrait qualifier d'humains. Ce sont les erreurs qui sont constatées au départ des bureaux qui émettent les documents de transit. Il y a quelquefois des erreurs sur les bureaux de destination. Et cela oblige les opérateurs, une fois arrivés au Burkina, de demander encore des changements de destination, ce qui fait perdre du temps. Le rôle même de notre inspection, de notre poste ici, c'est de pouvoir éviter l'introduction des nuisibles dans le pays, sur le territoire national. Et maintenant, avec l'interconnexion, nous n'arrivons plus à avoir accès aux camions suite à ce que les camions doivent quitter, sortir rapidement. Et donc, ça freine un peu le travail. Le travail n'est pas bien fait. Mais ce qui avait été dit, c'était essentiellement les produits pétroliers et les produits miniers. Voilà, mais au cours de l'exercice de nos travaux, nous nous sommes rendus compte que tous les produits faisaient cas d'interconnexion. Maintenant, les difficultés que nous rencontrons est que souvent, nous faisons cas de déroutage
d'un certain nombre de camions. Bon, les modifications qu'on souhaiterait, c'était d'abord de dissocier les produits originaires de la Côte d'Ivoire. Il faut dire que la connexion, quand il y a beaucoup de mouvements, comme difficulté, je disais, la connexion est très lente par moment. Et quand c'est lent et qu'il y en a beaucoup de camions, comprenez que les usagers vont dire que c'est la douane, alors qu'en réalité, ce sont donc des problèmes liés à la connexion, notamment que nous avons. Il y a un problème de réseau souvent. Quand il n'y a pas le réseau, on est obligé d'attendre que le réseau soit là avant de faire la validation et libérer les camions. Donc, si les réseaux pouvaient être stables, le travail pouvait être encore plus rapide.